Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Gear of War 1. Donc, on s'était quitté ici dans la vidéo précédente. Donc, nous allons continuer notre petite aventure avec Marcus et ses compagnons de guerre. Alors, j'avais dû m'arrêter vers là. Ok. Bon, ça va, s'ils sont après d'hommes. Et t'en vas pas, toi. Voilà. Ok. Alors, Dom, t'es parti, tu nous as même pas attendu. Ah, c'est bon, je t'ai entendu recharger. Hop, 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 hop. Voilà. Merde. Ah, je me suis foiré. Bon, c'était l'erreur de début de vidéo. Il n'y en aura pas d'autres. Jusqu'à la prochaine. Alors, pour le coup. Ok. Donc là, on est tous... Ok. Ouais. Bon, il n'y a rien. Je suis encore venu dans un endroit pour rien. Moi, c'est pas grave. On commence à être habitué maintenant. Alors... Oh. Ah oui, effectivement, là pour le coup... Très grosse bébête. Ah non, ok, d'accord. J'ai cru que j'allais devoir la combattre. Ah oui, putain, il leur faut beaucoup de balles. Hein. Donnez-moi ça. Deuxième chargeur que je vis vite dessus. Eh, boum. Ah. Badaboum, moi je dirais même. Alors toi t'es où? Ok. Allez ma poule. Ok. Bon. Ça c'est fait. Ça remet un petit peu dans le bain. Parce que mine de rien, ça fait 2 jours que j'ai pas joué au jeu et... Faut se remettre un peu dedans. Hop hop hop, oui, j'ai cru voir... une merveilleuse arme. Bah, ah. Ok. Ah non, je peux pas l'échanger ça. Ouais, le résonateur, de toute façon, il me sert plus à rien, si. Je préfère le garder quand même, on sait jamais. Vu que j'ai vu la grosse bébête... Oh puis, ouais. Ah, je suis... Je sais pas. Allez, hop. De toute façon, même au pire, si je dois utiliser le résonateur, logiquement, je devrais y en avoir un autre, donc du coup... C'est pas fini, merde. Recharge ton arme. Pourquoi ? Parce qu'on va tuer du locust. Ok, bon. Peut-être que je me mette à couvert, quand même. Ça serait bien. En plus une mitrailleuse, bah attends, ça va me permettre de jouer un petit peu avec cette arme là. Ah, un petit peu trop loin. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Ça, c'est cadeau. Ah mais ça c'est mes collègues. On va peut-être éviter de leur tirer dessus quand même, ça serait bien. Alors les munitions. Des grenades, bah ok. Je suis au taquet niveau munitions. Allez, allez, allez. Voilà. Ce qui est relativement bien dans le jeu, je trouve. Après, ça vient peut-être de moi, hein, vu que d'origine je vise mal. Mais j'ai l'impression que le tir à la volée, comparé à certains jeux, il n'y a pas trop de dispersion de balles, en fait, on va dire. Parce que généralement dans les jeux... Ah mince, il est mort. Parce que généralement dans les jeux, quand on fait le tir à la volée, ça tendance un petit peu à partir dans tous les sens, quoi. Alors, en même temps, ouais, je dis ça, mais c'est relativement rare les jeux où je tire à la volée, quand même. Mais
Donc ça m'arrive le plus souvent, c'est dans Uncharted. Le 4, je l'ai fait assez souvent, le tir à la volée. Parce qu'avec une certaine arme, c'était un peu mieux. Enfin bref, on s'en fout de ma vie. Là, on est sur Gear of War. On prend ce véhicule. Lequel, celui-là ? Pas la peine de me le redire. Non. Ah oui, non, oui. C'est vrai que Dom nous avait parlé qu'il y avait des parias qui avaient un véhicule. Du coup, c'est celui-là qu'on est parti chercher. Ah, parce que quand j'ai vu la vieille camionnette toute pourrie là, je me suis dit non, il va pas prendre ça quand même. Il y a même pas de pneu sur les roues. Alors, pour le coup. C'est un petit peu trop calme ici, je trouve. Ah ok, d'accord. Donc là, ça serait les parias, quoi. Les mecs, pas neuf. Toujours pareil. Franklin est là. Ouais, comme d'hab. Ah forcément, là, je cherche pas, je tombe dessus. Ok. Je te parle, pauvre type! Casse-toi! Laisse-le, Bert. Tu sors d'où, toi? Ouais, je crois que ça serait pas le moment de faire chier. Bert et les autres, parce que du coup, il serait un petit peu mal tombé, je pense. Ah, des petits rats! Appétissant. Ça me fait penser au film avec Stallone quand il est dans le futur qui mange des rat burgers. Ah, je sais plus quel film c'est Demolition Man, voilà. Ça me revient. Je t'aurais dit si j'avais eu du nouveau. Je pense que les gens vont voir avec moi. C'est comme qui dirait mauvais pour les affaires. On a besoin de ton accord. Tu dis quoi? Tu délires là? Sérieux, il nous faut. Désolé que t'aies des problèmes, mon gars. Mais moi, je te file pas ma caisse, d'accord? T'as une tête envers moi. Encore là, maintenant. Ok, d'accord, mon gars. Mais à une condition. Ils restent ici. Comme caution. Leur flingue. Ils seront toujours utiles. Hein. Ok. Il y a la station service d'Askew. Allez le chercher. Hé, hey, Santiago. On les quitte là, man. Fini le fameux quai. Berd, il va en exploser un tout à l'heure. Ils vont nous dire que c'est la grosse merde. Alors. Donc là, pour le coup, faut qu'on aille à la station service. Station service, Chaps. L'angle de la rue est fait de la 13ème. C'est pas couillé de locuste, entre ici et là-bas. Ça, ouais. C'est sûr de chez sûr. Nos points de ravitaillement, ils seront bien utiles. Le premier, il est au bord de la rivière. J'irai vite si j'étais vous. Vous pigez ? Alors désolé si vous avez vu la petite coupure que j'ai fait au montage, j'ai eu un petit problème avec ma vidéo, j'ai dû la refaire, parce que le son était décalé. Alors du coup il a fallu que je retravaille toute ma vidéo, mais bon après ça c'est pas grave. Ok. Ha 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 ha.
Ouais, d'accord. Ah merde, j'avais même pas vu. C'était... ouais. Ah, j'avais pas les yeux ouverts au bon endroit. Eh ben vas-y, pousse-moi, patate. Bah décidément. Lui il va finir par me tuer lui. Vas-y recharge, comme ça me permet de récupérer de la vie. Bah décidément. Ah, enfin. Alors attends, il en reste un dans la maison là-bas. Oh! J'arrive mon ami, j'arrive. Je vais te sauver la vie. Quelle jolie façon de réanimer le collègue debout. Ah si ça tue pas franchement. Ouais en même temps j'étais protégé avec le mur, bon. On va rien dire. Tronçonneuse. Ah bah d'accord, attends, j'ai pas. Oh bah hey, mais que se passe-t-il? Voilà. Ah bah ouais. Peut-être, mais pas moi en tout cas, parce que lui couvrir après avec la tronçonneuse. Donc ça, un petit snipe. Ok. Donc attends, si je récupère un sniper, ça veut dire que... ça risque d'être chiant. Oh mais il va faire que de mourir. Et l'habitude, c'est moi qui meurs, hein, c'est pas toi. Ah, sauf que moi je suis cool, je te réanime, espèce d'enfoiré. Moi on me réanime jamais, moi. Ouais. Oh, y'a rien pour se cacher là, si. Oh, tu parles, là la planquette. Voilà. Ah non, mais c'est une blague. Ok. Ah d'accord, c'est que y en a combien là? Voilà. Bon, 42 balles. Ouais. À 4 balles près. Ah mince, ah bah désolé, mais toi j'en aurais pas. C'est pour toi, mon petit loulou. On va être obligé de prendre le pistolet. Ah mince, je me suis... foiré. Ok. Allons-y. Alors appuie sur X, ok. Bon, mais pour le coup, hein. Ah bah on n'est pas rendu. J'ai bien fait de tuer les locustes avant, parce que alors, pour le coup, ils nous auraient suivi tout le long. Par contre, on peut s'arrêter où on veut, ou il y a un endroit précis? D'accord, faut qu'on aille au bout. Donc là, la nuit tombe, ok. Ah, il avait dit qu'il fallait pas sortir la nuit, l'autre, à un moment donné. Qui c'est qui dit ça? C'est Cole ou Baird dans la vidéo d'avant? Qui dit faut se dépêcher avant que la nuit tombe. Et que justement, Marcus se fout un petit peu de sa gueule en disant dis-moi pas que t'as perdu du noir. Mais du coup, on va peut-être savoir pourquoi il voulait pas qu'on sorte la nuit. Peut-être qu'il y a plus de locustes ou... parce que là, bon, il y a des chauves-souris, mais bon, pour l'instant, personnellement, elles ont pas l'air d'être chiantes non plus. Je pense que c'est plus en arrière-fond qu'ils vont faire voir les chauves-souris. Eh oh! Eh bien, en fait, il dépote bien, ce petit flingue, là. Je lui ai mis quelques balles dans le buffet, il est mort assez vite. Bon... oh! Tu crois que je t'ai pas vu venir, toi, sur le côté, là-bas? Attends, j'arrive. Que si je reste... oh ouais, on va se faire prendre en embuscade là les gars. Ah ouais, non franchement ce petit flingue il est excellent en fait. Ah regardez, mais il leur faut vraiment pas beaucoup de balles pour les tuer, donc en fait pas trop mal. Bon, j'ai pas beaucoup de munitions, mais c'est pas grave, ça devrait le faire. Vu à la vitesse que ça les tue. Ouais. Oh, c'est sûr que là je vais mettre du temps à le tuer.
Oh, tout doux, tout doux, hein. Attends, attends, mais il y en a combien là? Je l'avais pas tué l'autre? Ils étaient pas que deux? Oh, c'était à la limite là le rechargement. Non, plutôt avant, tu veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est fait attaquer? J'ai pas trop compris pourquoi il est mort, j'ai vu des trucs se jeter sur lui, mais... Mania, on a traversé la rivière. Le point ravitaillement 1 est droit devant. Ça va, Baird? C'est déprimant. Un gars d'ici a reconnu Cole à cause du trash ball. Depuis, c'est... Oh, grand Cole, raconte-nous encore ce match. Et numéro 83, signe ma chemise. Vous êtes où, les gars? On y travaille. Bougez pas. Bah heureusement qu'il a fait du trash ball, Cole. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient peut-être trouvé le temps plus long. Donc, du coup... Alors, attendez. Il dit qu'il faut pas être dans le noir. Donc, on va... D'accord. Bon, bah, j'ai la réponse à ma question. Et effectivement, on meurt très très vite. Donc, faut que je reste dans la lumière. Ok. Ça marche. On va essayer de faire comme ça, alors. Mania, on a traversé la rivière. Le point ravitaillement 1 est droit devant. Ça va, Baird? C'est déprimant. D'accord. Bon, attends, du coup, je suis désolé, je vais juste rester ici le temps que la discussion se finisse. Parce que comme ça, si je dois faire des esquives ou des trucs comme ça, parce que je suis dans le noir, du coup, ça serait plus pratique pour faire des roulades, parce que quand il est en discussion, comme ça, je peux rien faire, en fait. Et bien sûr, j'ai aucune munition. Alors, attends, là, il y a un lampadaire. Donc là, c'est relativement bien éclairé. Bon, ça va, en fait, c'est bien éclairé. Ça va juste être des petites zones, je pense. Excusez-moi si je me tâtais savoir si j'allais prendre le pistolet ou pas. Ok. Restez là, on arrive. Restez dans la lumière. Oui, ben merci, j'ai cru comprendre. Bordel. Franklin, c'est Santiago. Hé, hey, il fait nuit. Faut faire gaffe. C'est l'heure de sortie des Krills. Ouais, on dirait. Et ils viennent de tuer les gars du point de ravitaillement 1. Saleté! Bon, Santiago, mec, ça veut dire qu'ils viennent par ici. Johnson, vérifie les phares. Hé, hey, faut pas moisir ici. Le point de ravitaillement 2 est plus haut. Ok, des munitions, ça tombe bien. Ok. Voilà, on fait le plein de chez plein. Comme ça, on peut partir à l'aventure. Ouais, attends, c'est que du coup, ils ont dit qu'il fallait rester dans la lumière. Mais le problème, c'est que là, la lumière vient de couper. Donc du coup, je peux pas aller là. Donc pour le coup, on va faire quoi? On va prendre là. Parce que là, il y a de la lumière, mais ok, donc là, c'est éclairé, ok. Bon, et puis là, je suis dans un bâtiment, donc du coup, pour le coup, je risque rien. Ok. Ah bon, je suis pas resté longtemps dans le bâtiment, mais bon. Forcément, je vais me faire attaquer par des locustes. Mais est-ce que eux aussi... Oui, non, j'allais poser en fait une question à moi-même que j'ai automatiquement la réponse. J'allais dire si eux sont dans le noir, est-ce qu'ils vont se faire attaquer aussi, mais oui, on en a eu la preuve tout à l'heure, donc pour le coup... Bah, il y en a deux même, à vrai dire, je sais pas compter, c'est pas grave. Bon, au moins je fais des économies de munitions. Un petit peu trop loin.
Ah non, ok, d'accord, j'ai dû fermer le puits alors. Ouais, toi t'es un petit peu bien caché, on va dire. Tu veux pas venir dans le noir, non? Retourne dans ton trou. Tirez sur tous les réservoirs de propane importés. De la lumière. Ok. Les gens d'ici vont pas apprécier Marcus. Ils utilisent ce truc. Ah, rien à foutre qu'ils l'utilisent, moi je veux rester en vie. Ok, donc les réservoirs de propane. Bon bah ça va, s'il y a des bouteilles assez près l'une de l'autre, pour le coup, ça va pas être très compliqué. Ah, attends. Ouais, il y en a un là-bas. Ok. Là aussi. Ouais, bon, en fait ça va être assez simple. Parce que s'ils sont tous rapprochés comme ça, c'est quoi ça? C'en est une ou pas? Excusez-moi, je me suis un petit peu trop rapproché du micro là. Ça a dû faire un son assez bizarre. Ah bah tiens, des plaques. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que je récupère des plaques d'identification, mais oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, j'ai pas trop con. Ah d'accord, ok. Et du coup, je sais pas combien il y en a à récupérer, parce qu'en fait ça me dit pas par exemple une sur 20 de trouver quoi. Donc pour le coup, c'est pas évident. Attendez les gars, je me cache. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure planquette du monde, mais au moins je suis à couvert. Et c'est qu'il fait tout sombre ici en fait. Comment ça va se passer? Il va falloir que je speed à courir jusque là-bas. Non, ils ont pas osé faire un truc comme ça quand même. Parce que ça sent la mort, mais... assuré. Bon, à un moment donné quand même, il va peut-être falloir que je me mette à leur tirer dessus, parce qu'on va pas rester 3 heures dans cette zone. Je comprends mieux le sniper maintenant en fait. Oh mince! Ah, je l'avais pas rechargé. Ok. Bon, la question à 2 euros. Y a-t-il une bouteille de propane? Voilà, j'ai un petit peu bafouillé. Pour faire de la lumière. Non. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je cours comme un dératé. Là-bas. Ok. Bon allez, c'est parti mon kiki. Voilà. Bon. Au bout du compte, ça l'a fait. Ah, mais il y avait. Ok. C'est là, c'est assez sombre dans le milieu, donc du coup, je vais peut-être pas y aller. Ouais, j'aurais pu sauter par la fenêtre, au pire. Bon. Ah! Putain, ça m'a fait sursauter cette connerie. Voilà. Fallait pas me faire peur. Cole, t'es par là? Est-ce que tout va bien? Carrément! Le ravitaillement est arrivé! On va s'en mettre plein la panse! Faut choper la dysenterie avec ces saletés. Baird vit un vrai choc culturel, vous imaginez? Dis à Baird de se taire et de bouffer. On revient bientôt. Reçu! Ok, donc ça sent le locuste. Pour le coup, est-ce que je garde le sniper ou pas? Ouais. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh, mais dégage!
Ouais, attendez les gars, si vous venez par ici... Pour le coup, je vais passer par là, moi. Ça va peut-être les contourner en même temps. Eh bien, ma petite poulette. Hop là, des munitions, ça tombe bien. Oh, attends, j'étais pas vraiment en manque, mais... Allez, viens, viens que je te découpe, là. Voilà. Ok. Allez, les gars. C'est l'heure de passer... Prendre votre ration de bastos. Voilà. Oh, merde. Ah ouais, quand même. Il mature relativement vite. Je pensais au moins avoir le temps de lui mettre un petit coup de crosse dans la gueule ou un petit coup de tronçonneuse, mais alors ça me fait reprendre ici, ok. Pour le coup, je fais quoi? Je reste ici ou je repasse sur le côté? Merde, pas assez loin. Voilà, c'est un peu plus haut. C'est pareil. Bon. Bah pour le coup, on a que notre flingue. Voilà. Ah mince, lui j'avais oublié. Sérieusement les gars, sérieusement. Vous voulez vous la jouer comme ça? Voilà. Hop, un petit coup de crosse qui va bien. Hop. Voilà. Je suis même pas sûr de l'avoir tué. Eh mais Dom, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai entendu démarrer la tronceuse. Je crois que tu lui avais découpé les pattes et les cuisses, quoi. Ah, les pattes et les cuisses. Ouais. Bien sûr, les pattes et les bras, ça serait peut-être plus logique. Eh hey, mais il y en a combien qui vont venir là? Sérieusement les gars. Allez, trêve de plaisanterie. On n'est pas venu là pour hein, faire de la purée mousseline. Nous, on veut du steak haché haché. Bon, j'arrive, bougez pas. Il doit y avoir un puits où ils viennent à l'infini. Ok. Donc, il y en avait un qui venait en face. Donc, on va éviter de se faire avoir encore. Par contre, est-ce qu'il y en a qui vont revenir? Voilà, on va retourner là. Hop, 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 hop. Ouais. Non, j'ai eu peur, j'ai cru que le jeu avait bugué. Ouh. En formation. Je peux pas y aller. Attention à l'objectif. Ouah. Vous voulez pas venir les gars? Ok, donc là le système de visée c'est pas non plus idéal. Ok. Oh là là là, ils vont venir là, ils vont venir là, ils vont venir là. Je suis désolé si le son de ma voix est assez bizarre des fois, c'est que j'ai mon micro aujourd'hui, il veut pas tenir en place, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait. Ah mince! Voilà. Regroupement. Négatif. Comment ça négatif? Tu peux pas passer sur le côté là? Joli. Merci, merci. C'est que t'étais pas là pour voir toutes les balles que j'ai mis à côté, c'est pour ça. Ah mais c'est quoi, des chauves-souris ou des piou-piou qui font que de faire du bruit là, parce que putain la vache.
Ok. T'es venu, tu t'es battu, je t'ai vaincu. Alors, qu'est-ce qui m'attend là? Une troïka. Une quoi? Appuie sur X. Ah, ok, d'accord. Et Dom, il est où? Ah, ok. Mais mets-toi à couvert, patate, tu vas mourir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, allez. Parce que t'es mon collègue et que je t'aime bien. Hop là, on va se mettre à couvert parce qu'on va pas mourir non plus. Hein. Oh, t'es encore mort. Ah, oh, ben là, pour le coup. Ça risque d'être très compliqué cette situation. Oh là, loupé. Voilà, toi t'avais pas gueulé que t'allais recharger. En même temps, j'avais une chance sur deux que ce soit toi, mais... Alors ça verrouille en rouge, mais ça lui fait pas de dégâts. Ok, d'accord. Bon, là je suis à quoi, une demi-heure de vidéo à peu près. Donc, est-ce que je m'arrête ici ou pas? Attends, je vais regarder si je peux aller dans le bâtiment là. Apparemment non. Ah, on dirait qu'il y a un passage ici. Je vais aller voir dans le bâtiment et puis je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors pour le coup. Alors attends ici. Ah oh, mais qu'est-ce que tu fais là toi? T'es pas méchant? Bah c'est pas grave. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ils nous attaquaient pas. Prenez l'allée à gauche de votre position. Ok, ça marche. Bon, mais pour le coup, je vais m'arrêter ici. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 de Gear of War 1. Allez, salut !